Ah, j'ai effectué une action. Bon bah j'ai effectué une action. République Florentine, 1476. Ah, il y a ce petit côté nostalgique de relancer le jeu. C'est... Voilà quoi, ça fait un peu bizarre. À ce côté, c'était ça, Assassin's Creed. C'était vraiment ça. C'est pas l'espèce de grosse merde là qui nous lance depuis Origine avec Odyssée et Valhalla. Non, là c'est Assassin's Creed. Le vrai, le seul, unique. Avec le héros le plus aimé de toute la licence. Tous unis pour la victoire! Tous unis! Silencio, mes amis, silencio. Grazie. Savez-vous ce qui nous réunit ici ce soir? L'honneur. Vieri de Pazzi traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous, ce n'est que pure calomnie, grullo. Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Pazzi n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne. Contardo, tu as peur de ne pas être à la hauteur? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le! Et voilà l'origin story de la cicatrice sur la bouche de ce membre de la famille. Voilà. Oui, parce que si vous n'avez pas remarqué, Altaïr avait cette cicatrice... Desmond a cette cicatrice et donc forcément Ezio aussi cette cicatrice. Évidemment, tous les personnages que nous jouerons auront cette cicatrice, hein. C'est l'exemple même pour savoir que tu es un membre de la famille de Desmond Miles. T'as cette cicatrice à la bouche, voilà. Alors, si je me souviens bien, inventaire, armure, donc ça c'est pour l'équipement, ça c'est pour les armes, là pour le moment j'ai que les points. Équipement à débloquer, bien sûr, objet à débloquer, et tenue, pour l'instant, elles sont bloquées. Mais, normalement, j'ai tout débloqué, dont la tenue d'Altaïr. Donc, dès qu'on pourra changer de vêtements, je me mettrai la tenue d'Altaïr. Et ça fera qu'on aura la tête d'Altaïr, qui est en fait la tête de Desmond Miles, parce que pour ceux qui ne savent pas, Desmond Miles et Altaïr ont en fait exactement la même tête. Oui, c'était par rapport aux problèmes techniques de l'époque, enfin, vous comprenez, c'était... On joue un même personnage, quel que soit l'endroit où on en est, que ce soit dans le présent ou dans le passé, enfin bref, voilà, c'est pas grave. Mais bon, voilà. Pour moi, Altaïr a la meilleure tenue de toute la licence. Je suis désolé, tous les autres ont des tenues moches. Je le dis directement, les autres ont des tenues moches. Bon, peut-être pas les tenues de pirate, de... comment il s'appelle déjà, de Edward Kenway, ou encore les quelques tenues qu'on a dans Assassin's Creed 3, ou allez, les jumeaux, ils ont aussi des tenues sympas, mais voilà quoi... En fait, littéralement, c'est Ezio qui a la plus mauvaise garde-robe de, tout le, de toute la licence, en fait. Enfin, il y a des gens qui aiment bien cette tenue, mais moi, je l'aime pas. Donc, voilà, bah, excusez-moi, mais ce sera pas cette tenue que vous verrez la tenue que moi j'aime, à savoir la tenue d'Altaïr. C'est ma partie, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Nain. Bon. À l'attaque ! Non, là j'ai tapé un de mes potes. Tu sais, normalement le... Une petite... Laissez-moi. Voilà, toi t'auras pas d'enfant. Merde, laissez-moi. Tu sais, je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Tu vas rester planté là? Viens me chercher! Viens me chercher! Hé! Derrière toi! Federico! Que fais-tu ici? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Alors? Tu as du style. Mais c'est la résistance qui compte. Combien de temps vas-tu tenir avant de mordre la poussière? Ça va, j'ai pas perdu trop d'alliés. Ouais, allez, non? Alors,
Ah, et ça c'était le bon petit bonus, ça c'était les animations qui achèvent les adversaires. Elles étaient toutes sympas, très variées du fait qu'il y a beaucoup d'armes. Et diavolo, laissez-moi partir. Il se prend tout le monde là, lui tout seul. Les gars, ça vous dirait pas de un peu aller vers moi là? Je sais pas, parce que c'est lui qui a provoqué tout ça à la base. Repliez-vous! Repliez-vous! On peut pas gagner de toute façon, ils sont Attends. Trop nombreux. Quoi? Il faut les achever! La lèvre. C'est rien du tout. Tu dois avoir un médecin. Ce n'est pas la peine. Et puis, je n'ai pas les moyens de le payer, ton médecin. Les femmes t'ont tout pris, on dirait. Ouais, mais elles me l'ont bien rendu. Tu peux me prêter quelques florins? Ou à toi aussi, ils t'ont tout pris? Où il est? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. Ça aussi, vous voyez, ça c'est le truc de fouille. On ne peut pas gagner ce combat parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Enfin, si, tu peux essayer, mais ce sera très difficile. Parce que tu n'as pas encore les trucs pour te garder, pour te protéger, tout ça et compagnie. Enfin bref. C'est vraiment trop difficile dès le départ en fait, pour te dire que bah, c'est un combat de rue quoi. Surtout pour t'apprendre. Va bene, ça devrait suffire. Il faut partir, les gardes vont arriver. Mais non, regarde, ils ont encore de l'argent sur eux. On va en profiter. Alors l'argent, je vous le dis, vous allez devoir beaucoup, mais alors beaucoup le... Comment dire? Le chérir. Parce que vous allez voir, gagner de l'argent dans ce jeu va avoir une importance, mais tellement incroyable. Dans ce jeu et dans Brotherhood aussi, et dans Révélation. Et dans Révélation, je veux dire. Et aussi dans Assassin's Creed 3 Remake. Assassin's Creed 3, je veux dire. Et peut-être aussi dans Assassin's Creed, comment ça s'appelle, Assassin's Creed Black Flag, mais je suis pas sûr. Dans Libération, ça, je sais que oui, puisque c'est exactement le même truc que le 3. Est-ce que Rogue aurait ce principe? Ah, j'en sais rien. Ah si, dans le... Si, si, il faut les gérer, etc. Ouais. Ah, mais aussi dans Unity. Est-ce que dans Syndicate, il faut qu'on achète encore des trucs? Je pense, hein, vu que ça a été dans le cœur de la licence. Enfin bref. Allez, Ezio. Plutôt tu verras le médecin, plutôt nous irons nous coucher. Salut, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas allés de main morte, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. Ce joli minois, c'est son seul atout. Fuck, Titi. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Bien. Quelle nuit! Ça oui! Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas! Il faut rentrer, Ezio. Père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit? Jusqu'où? Jusqu'au toit de cette église.
Et là, c'est notre premier défi, c'est à savoir réussir à monter avant lui, si je me souviens bien. Je compte jusqu'à 3. Uno. Due. Tres. Tu as beaucoup à apprendre, petit frère. C'est que tu me ferais presque de la peine. Une défaite, ce n'est pas déshonorant. Facile. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer? Et puisse-t-elle ne pas nous changer? Et voilà, le jeu se lance enfin. Bienvenue dans Assassin's Creed 2. Ah, les prologues un peu à la rallonge, ça c'est un peu le truc que tu verras dans tous les Assassin's Creed. Très bien, assez bavardé. Il faut vraiment qu'on rentre. Allez, viens. Attends. Quoi? Ezio, laisse dormir Christina. Elle aura tout le temps de se reposer. Après. Ah, l'insynchronisation. Rendez-vous surpris. Avec la petite amie de l'époque de Ezio Auditore. Qu'est-ce que j'aime le thème qui est comme ça. Alors, saut de la foi. Le saut de la foi est un truc très dangereux. 60. Oh non, c'est Vieri. Je vais me cacher. Retrouvez-le. Il ne doit pas être loin. Bon, à partir d'ici, en fait, il faut éviter de se faire remarquer par les potes de notre ennemi. Sinon, on va se faire taper dessus. Et c'est pas drôle quand on se fait taper dessus. Et là, maintenant, normalement, j'ai accès à la carte. C'est pas ça. Ok. Ah ouais, je peux toujours faire ça, à la limite. Alors, je pourrais effectivement aller vers mon objectif. Mais j'ai très envie d'avoir ce qu'on appelle les points d'observation. Ça me permettra d'éviter de devoir les refaire. Et il faut surtout profiter qu'au début, Florence, il nous accepte un peu. Parce que, comment dire, dans la suite du jeu, ça va être un peu compliqué. Hop là. Ok, je vois le perchoir. Maintenant, il faut se rendre au perchoir. Au début, on est vraiment à poil niveau technique. Donc je peux vous dire qu'au début, vous avez peur de la moindre chute. Enfin, c'est un peu comme dans Assassin's Creed 1, quoi. Hop, 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 je monte. Voilà. Vous inquiétez pas, pour les prochains épisodes, je vous couperai ça au montage. Surtout pour retrouver les trucs collectables, tels que les plumes. Mais c'est nécessaire, ça fait partie du jeu. Alors par contre, il y a un truc qu'on verra bien plus tard, évidemment, hein, mais dont il faut que je vous parle. Alors, déjà, on va aller dans les options, commande, personnaliser commande, et la map, une bonne fois pour toutes, c'est ce bouton. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette caméra contextuelle, là, mais elle m'énerve. Prochain point d'observation, c'est par là. Oh non, on va faire plutôt dans ce sens-là, comme ça, on tourne comme ça, et après, hop, là, on va retourner sur ça. Alors, Taillou ! Je propose des articles de ferronnerie exceptionnels. C'est peut-être notre homme. Mais non, je ne suis pas votre homme. Regardez, je suis déjà parti. Hop. Mieux vaut rester sur les toits. Non, je dis, restez sur les toits. Hop, 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 hop. Là, j'aurai la carte explorée et je n'aurai pas à le refaire. Enfin, ça, c'est le premier quartier, si je me souviens bien. Après, il y a d'autres quartiers. C'est comme dans le premier Assassin's Creed. Sauf que on sera beaucoup plus libre au niveau des quartiers, on va dire. C'est pas genre, on va être
on va nous empêcher d'atteindre un quartier parce que on n'a pas encore tué une cible ou quoi que ce soit comme ça. Bon, alors ce sera très rare quand ça arrivera. Mais ce sera plus dans le sens où, dorénavant, en fait, les quartiers, on va dire, nous sont découpés selon les besoins de ce qu'on peut trouver, de ça, etc. Donc des fois, il faudra revenir à certains endroits pour voir s'il n'y a pas de nouveaux lieux à débloquer, de ça et compagnie, enfin voilà. Oui, j'ai vu. Voilà, il y a le quartier là-bas aussi qu'il faudra voir un de ces quatre. Et vous voyez qu'il y a déjà les tours qui sont là-bas qui nous attendent. Mais pour l'instant, on n'y a pas accès. Bah oui, pour le moment, le jeu ne nous autorise pas à aller plus loin. Pour le moment, on doit faire juste ça. Hein. On va faire que ça au début. Et je vais donc me retirer tout doucement. Alors, comment que je descends? Bah regarde, je fais ça et je descends. Je suis un ado d'Italie de la Renaissance normale. Je me balade sur les toits. C'est bizarre que d'ailleurs il n'y a pas d'autres de mes confrères qui soient sur les toits. Mais bon, c'est parce que sûrement leurs mamans les ont pris sur le fait. Moi, je ne me ferai pas prendre par ma maman. Alors habituellement, ouais, voilà. Alors. On va descendre. Voilà. Hop là. Hop là. Un des nombreux collectables à trouver, ce sont les coffres au trésor qui rapportent de l'argent. Bravo, vous avez deviné, c'est super, bravo, vous avez un super cadeau. À savoir, vous avez toute ma gratitude pour avoir compris. Donc voilà. Donc ceci étant fait. Parce que les balcons comme ça, forcément, il y a toujours un coffre au trésor. C'est, vous voyez un balcon comme ça, dites-vous, coffre au trésor pas loin. Alors, comment que je fais là? On va éviter de faire le con quand même. Hein. Parce que je rappelle, il y a les potes de notre rival qui sont dans le coin. Cet avertissement concerne l'utilisation des fontaines de la République. Yo! Merci de ne pas utiliser de tasse. Alors, comment que je monte là-haut? Ces activités ne sont pas autorisées à l'intérieur de la cité. Les comment je peux monter? Ah, par la grande porte. Aïe. Je me suis fait un peu mal, ça va. On va pas pleurer pour si peu. Allez hop, on grimpe avant que les autres potes de l'autre nous chopent. Ah mince. Ce serait plutôt comme ça, là, si je comprends bien. Voilà, je grimpe. Et... non. Très bien. Première tentative. Une tentative qui a effectivement échoué. Nous sommes d'accord. Mais, dans tout échec, il y a un apprentissage. Un apprentissage... Minute papillon. C'est bien là-haut que je dois aller, hein. On est d'accord. D'où vient-il? Il ferait mieux de se tenir condottiero. Il a l'air bien sûr de... Je le connais. Mais non, vous ne me connaissez pas. Je suis un humble inconnu. Oh, d'accord. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Et vous avez de la chance, je vais vous le couper au montage. Moi, je vais devoir me le taper, ça. Alors. Allez, hop. Cette fois-ci, on grimpe, mais dans le bon sens. Il a le droit de faire ça ? Oh, bon, c'est pas mon problème. Oui, voilà, c'est pas ton problème, c'est le mien. Il est agile, c'est indéniable. Madame, je ne sais pas si c'était une sorte d'invitation que vous étiez en train de me faire, mais... je rappelle, on jouait du auditoré, hein. Lui et les dames, c'est... ça fait deux, hein, donc voilà. Il a beau avoir une petite copine... ah, non, mais vous inquiétez pas, monsieur le garde, je m'en vais, je dois juste en fait monter tout là-haut. Tout ça parce que je... dire qu'il nous reste encore 3 points d'observation. En espérant que les prochains seront quand même plus faciles. Parce que je voudrais pas dire, mais bon. Je veux bien faire monsieur qui fait la grimpette, mais bon, à un moment donné, faut que j'atteigne mon objectif. Oh, en espérant que j'aurai plus jamais à revenir ici. Oh, sûrement qu'il faudra que je revienne ici pour trouver une plume ou un truc du genre. Je le sens tellement ce truc.
Je sens tellement le piège. Bon, là par contre, c'est obligatoire, il faudra que je descende en mode saut de l'ange, parce que là, j'ai pas envie de me refaire la tapette de l'escalade dans l'autre sens. Alors, Encore un aventurier. Pas bien vu. C'est des idiots. Tant mieux. Ça arrange mes affaires. Hop là. Allez, monte. J'aurais dû prendre l'échelle. Bon, bref. Là. Ok. Sinon, c'est une place sympa, hein, avec le truc de la pendaison et tout, hein. Faudra un de ces quatre qu'on participe à une pendaison. Ça pourrait être sympa, hein. On pourrait y aller avec la famille et tout. Qui sait. Ah, on verra ça plus tard. Occupons-nous d'abord de notre problème numéro 1, à savoir ces maudits tours à faire synchroniser. Ah non. Ah non, non, je me souviens de ce truc. Ah mon dieu, qu'est-ce que je m'en souviens. Non, je ne veux plus, je ne veux pas. Oh, un coffre. Ah non, laissez-moi deviner. J'ai été maudit. C'est pas possible. J'ai été maudit. L'univers tout entier s'est assuré que je me dois de me taper ce passage obligatoire. Alors, comment je négocie le truc? Parce que vous voyez, on pourra pas le faire depuis le bas. Bah non, Zino, c'est pas drôle. Non, non, en fait, il faut aller par là. Ça, c'est la grande question. Alors... Déjà trouver un truc où on peut se accrocher. Bon, ça c'est bien, ok. C'est tout simplement un des bâtiments les plus durs à... Comment dire, à monter. Si je me souviens bien. Et habituellement, ma mémoire trompe rarement sur ce coup-là. Et si je me souviens bien, il y a aussi un truc ici. Comme un coffre ou un machin comme ça. Ah, oh, ce serait pas une des plumes. Oh, c'est sûrement une plume. Ah, mon dieu. C'est sûrement une plume. Allez, hop. Alors, à partir de là, en fait, allez voir, c'est marrant. Parce que maintenant qu'on est arrivé là, le truc, c'est qu'il faut sauter. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter. En trouvant les bons passages, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, où est le prochain passage pour monter? Ouest. Le jour se lève, d'ailleurs. Hein. On est censé passer la nuit avec notre copine, là. Mais bon, elle peut attendre une soirée de plus. C'est notre frère qui est resté là-bas, en plus. Ouh là là. Alors, comment je vais faire pour grimper, moi? Ah, voilà. Le voilà, mon petit passage. Allez. Ok. Alors, on va partir de là. Alors, déjà, on récupère ce coffre. Si. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres coffres en bas? Oui, il y a un autre coffre en bas. Bien sûr qu'il y a un autre coffre en bas. Attention. Hop. On lâche. Ça va. C'est pas trop casser la figure. Par contre, ça va être un peu plus compliqué à négocier. Je gère. Bon, au moins j'aurai pas à revenir chercher ces coffres-là. Disons-nous ça. Que c'est une base. Puis oh, c'est de l'argent. Comme je vous ai dit, l'argent dans le jeu aide quelque chose. Hein. Ah, vous allez aimer en avoir de l'argent là pour le coup. À partir de maintenant, l'argent, ça a une place capitale. De là, il faut que je retourne dehors. Je me souviens bien, n'est-ce pas? Parce que si je me souviens bien, je peux pas monter là-haut comme ça. Il faut que je me penche. Voilà. Il faut que je grimpe.
D'accord, alors on grimpe pas comme ça. Il doit y avoir un passage que je n'ai pas encore vu. Ou alors on monte tout naturellement. Ça me paraissait un petit peu impossible, mais bon, d'après le jeu, c'est possible, donc écoutez, on va écouter le jeu. Ah, j'ai peur pour lui. Tout ça pour un point d'observation. Ah, ils sont forts. Ils sont très très forts chez Ubisoft. Et voilà. Ouf. Et Dieu merci, on n'aura pas à se retaper ça. Enfin, j'espère. Parce qu'après, il y aura les plumes qui vont popper. Et là, je vais être triste si jamais il faut que je remonte ce truc. Mais attendez, ça c'est un des points élevés les plus faciles, hein. Non, parce qu'après, il y a beaucoup plus dur. Allez hop, maintenant on va là-bas. J'ai besoin de connaître tout le quartier. J'ai besoin de connaître chaque stationnement, chaque lieu, chaque personne. L'ami, je peux soigner vos oignons. Alors soigne mes oignons si tu veux. Oui, bientôt ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Oui, c'est bien. Est-ce qu'on peut reparler maintenant pour que je puisse t'acheter de, justement des trucs de médecine? Voilà, des remèdes, il m'en fout. Merci mon brave. Bientôt vous irez beaucoup mieux.